អង្គុយចុះក្នុងជំនះប្រកាសបន្តពីដំណើរការនីតិវិធីសម្រាប់ការនេះនឹងផ្ដល់វិធានការជូនទៅក្រុមសមាគមឡើងវិញដើម្បីបន្តការតាំងសម្ពន្ធនេះដល់ជាភាសាស្អីសូមអញ្ជើញ Merci, Monsieur le Président. Donc, Monsieur Meesven, vous venez juste de nous dire qu'il y avait à peu près 300 à 400 soldats par bataillon. Il y avait 3 bataillons par régiment et il y avait 3 régiments dans la brigade ou la division. Donc, si je compte bien, le total des forces de la division était de quel ordre? Tous les soldats de la division, selon vous, correspondaient à quel total? នៅក្នុងចំនួនរចនាសម្ព័ន្ធក្នុងពេលសមរភូមិនោះវាមិនទៀងទេជួនកាលមានមួយវិរៈមួយអនុសេនាបីមួយវិរៈសេនាតូចវាមានបី Alors maintenant, j'aimerais qu'on évoque la situation de la structure militaire du Kampuchea démocratique d'une façon générale après 1975, après la libération de Phnom Penh. Est-ce que, selon vous, cette structure a changé et est-ce que vous savez si certaines divisions sont restées toujours sous l'autorité des zones ou si elles ont été placées sous l'autorité directe des organes centraux du parti? Est-ce qu'il y a eu une transformation dans la structure militaire? J'entends bien, monsieur le témoin, tout le monde était sous le contrôle du Parti communiste. Mais ce qui m'intéresse, ce sont les lignes de commandement, la façon dont s'exerçait l'autorité. À l'origine, si j'ai bien compris, toutes les divisions, pratiquement toutes, étaient directement sous le contrôle des secrétaires de zone. Et en ce qui concerne la zone sud-ouest, les divisions étaient sous le contrôle de Tamok. Par la suite, est-ce qu'il y a eu un changement et est-ce que certaines divisions ont été placées sous l'autorité des organes centraux du Parti communiste, du comité central ou d'autres organes? ខ្ញុំមិនបានដឹងកិច្ចការរបស់មជ្ឈិមទាំងអស់ទេខ្ញុំដឹងតែកិច្ចការរបស់ភូមិភិយឬកងពលបញ្ជាក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងពីត្រឹមមកភូមិភិយហើយនឹងកងពលបញ្ជាបាននៅក្នុងភូមិភិយរបស់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះហើយរឿងរបស់មជ្ឈិមខ្ញុំមិនបានដឹងកិច្ចការរបស់គាត់ថាកងណានៅក្រមរបស់មជ្ឈិមខ្ញុំអត់បានដឹងទេ
Alors, parlons maintenant donc des zones. On l'a dit tout à l'heure, il y a eu des changements dans les entités administratives, dans la façon dont ces zones étaient découpées. Et en particulier, en ce qui concerne la zone sud-ouest, il est clair qu'il y a eu un découpage, un redécoupage, et qu'il y a eu à la fois, on a maintenu une zone sud-ouest, mais on a créé aussi une zone ouest. Est-ce que vous pouvez nous dire quand cela est intervenu? Alors, quel a été l'impact de ce changement? Est-ce que, par exemple, la division 1, qui était à l'origine sous l'autorité de Tamok, est passée sous l'autorité du secrétaire de zone, d'un autre secrétaire de zone? Et duquel? Alors, tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous dire, vous nous avez dit déjà qu'après la chute de Phnom Penh, vous êtes rapidement parti, et vous êtes parti, si j'ai bien compris, dans la région de Kampot. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous êtes parti faire dans la région de Kampot? Vous êtes parti avec combien d'hommes et vous y êtes resté combien de temps? ក្រោយពីចេញទៅកពតនោះខ្ញុំទៅទទួលការងារនាំកងទ័ពទៅដោះមីនតាមផ្លូវរទេះភ្លើងគេថាប្រងធ្វើផ្លូវរទេះភ្លើងហ្នឹងក៏នាំកងទ័ពទៅដោះមីនតាមផ្លូវហ្នឹងដើម្បីឲ្យគេធ្វើផ្លូវរទេះភ្លើងហើយជា3ខែ Est-ce que vos forces ont également été affectées à des travaux agricoles, de culture du riz dans le secteur de Kampot? Les lieux où vous étiez stationnés, ils dépendaient du secteur de Kampot. Qui était à la tête du secteur de Kampot? Est-ce que le secteur de Kampot s'appelait le secteur 35 et est-ce qu'il y avait une personne qui s'appelait Kang Chap alias C qui faisait partie du comité du secteur?
Quand êtes-vous parti pour la zone ouest? ចុងឆ្នាំ76ក៏នឹងដឹងថាខែប្រមាណខ្ញុំភ្លេចមិនចាំខែថ្ងៃ Est-ce que votre départ pour la zone ouest s'est fait en même temps que votre nomination au poste de chef adjoint de la division 1? ទី 1 អញ្ចឹងមែនទេគេថាចាញ់ទៅនៅពេលដែលគេតែងតាំងលោកហ្នឹងបាទនៅនៅឡើយទេខ្ញុំតមកឆ្នាំទៀតខ្ញុំនៅឈរតាមខ្ញុំកោះកុងមួយឆ្នាំបានគេតែងតាំងព្រោះខ្ញុំនោះមានខ្ញុំវាប្រធានរដ្ឋាភិបាលមកដល់ពេលខ្ញុំឈរមួយឆ្នាំបានគេតែងតាំងខ្ញុំ Est-ce qu'à l'époque, toutes les forces de la division 1 ont été affectées à la zone ouest, ou bien est-ce que certaines unités sont restées dans la zone sud-ouest, ou ont été affectées à d'autres zones ou à d'autres divisions? ឈរនៅកោះកុងមួយឆ្នាំជាងប៉ុន្តែទៅមិនអស់គ្នាទេកងពលនឹងទៅតែមួយវរៈជាងមួយវរៈណាធំទេថាជាពីរពាន់ប្រាំរយប៉ុណ្ណឹងឯងហើយពេលទៅនៅបានប្រហែលជាងមួយឆ្នាំគេនៅខាងក្រោយនេះគេចាត់ កំឡុងខាងក្រោយឲ្យទៅភូមិភាគនៅខាងពីយប់ទៅប្រហែលជា100នាក់ប្រហែលជា100នាក់ប៉ុណ្ណឹងខាងកងពលលេខការកងពលក៏ចាត់តាំងទៅមិនដឹងជាគាត់ពិភាក្សាជាមួយអ្នកណាខ្ញុំអត់បាននៅក្រោយដែរបាទ Monsieur le témoin, Bien entendu, mais nous avons quelques problèmes d'interprétation. Donc, j'ai entendu que vous étiez vous-même à la tête du régiment qui avait en charge le secteur de Kokong. J'ai également entendu que d'autres forces étaient restées à l'arrière, mais nous n'avons pas entendu le nom du lieu où étaient stationnées ces forces. Est-ce qu'elles étaient toutes stationnées au même endroit ou est-ce qu'elles étaient stationnées à plusieurs endroits? Oui, monsieur le témoin, j'ai entendu que vous aviez dit que vous étiez à la tête de votre régiment stationné sur le secteur de Kokong, mais que certaines forces, on ne sait pas si ce sont des forces de votre régiment ou des forces de la division, étaient restées à l'arrière. Mais je n'ai pas entendu à quel endroit ces forces qui étaient restées à l'arrière étaient stationnées. Et ce que je voulais savoir, si c'était un seul endroit ou s'il y avait plusieurs endroits où ces forces de la division 1 étaient stationnées. បាទចង់បញ្ជាក់អញ្ចេះខ្ញុំប្រធានវរៈសេនាធំក្នុងពេលនោះមិនមែនប្រធានកងពលទេគឺប្រធានវរៈសេនាធំហើយដែលទៅឈរជើងកន្លែងនោះហើយដែលគេតែងតាំងខ្ញុំបានមួយឆ្នាំហើយបានគេតែងតាំងខ្ញុំអនុកងពលប៉ុន្តែកងពលទាំងបាទខ្ញុំទាំងពីរនេះវានៅពីផ្នែកមួយផ្នែកដែលខ្ញុំនៅកោះកុង ហើយមួយផ្នែកទៀតនៅបន្ទាយលង្វែកទៅមិនអស់ទេ
Hơi và thiên còn phố lưng cót nâu kháng cỏi bằng tiên lùng vệ phòng. Pì lại cầm lăng tàu pì dọc mà rồi nẹ nu. Cứ và thiên còn phố lưng cót chặt chanh tàu. Em mình men khá nhóm chặt chanh tàu tê. Hơi có chặt chanh cầm lăng để tàu nó cứ nâu bằng cầm lăng để nâu kháng cỏi bằng tiên lùng vệ bản. Quel était le nombre total de soldats sous vos ordres lorsque vous étiez à Kokong? Alors, j'aimerais maintenant que nous jetions un coup d'œil sur la carte du Kampuchea démocratique que j'ai fait distribuer. Et peut-être pourrait-elle être affichée également sur l'écran. Pour que les choses soient bien claires, la zone ouest est une zone qui apparaît en vert pâle. On y voit un certain nombre. Alors, je précise que cette carte n'est pas véritablement un document nouveau, mais c'est un document qui comporte, sur lequel on a porté directement les traductions des noms en khmer, puisqu'il s'agit d'une carte qui a été publiée en 1976. Elle était publiée bien sûr en khmer, et pour les facilités de la compréhension, donc on a apporté un certain nombre de traductions directement sur la carte. Je précise d'ailleurs que, en ce qui concerne la version française qui figure au dossier, il y a une erreur, puisque la zone 401, me semble-t-il, qui est mentionnée, ou 405 plutôt, est mentionnée comme étant la zone sud-est, alors qu'il s'agit de la zone sud-ouest. Mais revenons à la zone ouest. La zone ouest s'étend depuis Kompong, jusqu'à Kokong. Elle couvre donc toute la partie ouest de Phnom Penh et elle a une part importante donc, du littoral cambodgien. Long Vek, dont vous avez fait état, est-ce que Long Vek était le quartier général de la division 1 ? Bạn, lúc vậy tìm chia cá bò, con bò lệnh mùi. Alors, la zone ouest est a priori comprend a priori trois secteurs. Le secteur 31, le secteur 32, le secteur 37. Et je vois également une zone ou une région appelée numéro 11. Alors, tout d'abord, est-ce que vous pouvez confirmer le nombre de secteurs et l'intitulé de ces secteurs? Et est-ce que vous pouvez nous dire où est situé Long Vek? Alors, est-ce que le secteur 11, puisque sur la carte, il apparaît un secteur 11 qui est situé
à la frontière avec la zone nord-ouest. Est-ce que vous voyez sur la carte marqué 11? Est-ce que vous nous dites que ce secteur 11 en fait n'existe pas? Alors, nous voyons donc le secteur 32 jouxte également la ville de Kampong Som. Est-ce que vous pouvez nous dire si la ville de Kampong Som avait un statut particulier, si elle dépendait de la zone ouest, de la zone sud-ouest, ou si elle avait un statut à part? Est-ce que vous savez qui était à la tête de la ville de Kampong Som? Est-ce qu'il y avait un comité en charge de la gestion de la ville de Kampong Som? Est-ce que vous avez entendu parler d'une division Pouvez-vous nous dire ce qu'est devenu la division 3, qui était sous les ordres de M. Mehasmout? Est-ce que vous avez entendu parler d'une division 164? Qui était à la tête de la division 164?
បាទខ្ញុំដូចជាមិនបានចាំទេប្រហែលជាការដតវៃតាមព្រំដែននឹងឬពួកខាងខ្ញុំនិយាយថាតមុតទទួលខាងDonc vous avez appris que c'était monsieur Measmoud qui était à la tête de la division 164. Alors j'aimerais maintenant que vous me disiez si vous étiez au courant de l'existence d'une force de la marine cambodgienne. Comment était organisée la marine cambodgienne? Qui commandait la marine cambodgienne? កងជើងទឹកនឹងមានតមុតថ្ងៃតាមើ 164 ហើយដែលពេលវាយហ្នឹងប៉ុន្តែដឹងថាគាត់ជាអ្នកទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងកងពលហ្នឹងបាទប៉ុណ្ណឹង Où étaient stationnées les forces de la marine cambodgienne? កងជើងទឹកកម្ពុជានឹងឈរជើងនៅឯណាដែរបាទកងជើងទឹកនឹងឈរជើងនៅកំពង់សោមនោះនេះកំពង់សោមហើយពីផ្នែកទៅកំពង់សោមទៅកោះពលវៃកោះតាងហើយទៅកោះតាណាទៀតខ្ញុំមិនដឹងច្បាស់អស់ Revenons à votre travail, à votre mission sur le secteur de Kokon. Est-ce que vous pouvez nous dire si votre mission était limitée strictement à l'île de Kokon? Ou si votre mission concernait tout le secteur 37. Et quand je dis tout le secteur 37, c'est tout le secteur 37 tel qu'il apparaît sur la carte que j'ai fait distribuer. តំបន់ទាំងមូលនៅលើតែខាងតំបន់ហើយពិសេសអាចមានភូមិភាគគេចុះដែរក៏មិនដឹងខ្ញុំមិនបានដឹងនេតិខ្ញុំភារកិច្ចខ្ញុំត្រឹមតែព្រំដែនកោះហើយនឹងទឹកប៉ុណ្ណឹង Étiez-vous en contact avec les autorités du secteur 37? តំបន់ការដំបងគឺតាតារីនឹងតាតារីដែលគាត់មកហ្នឹងគាត់ពីការជើងគាត់មកហ្នឹងថាទទួលតំបន់តើក្រោយខ្ញុំទៅទៀតថាតាតារីនឹងបាត់តាតារីតរ៉ាន់ណាបាត់តាតញឹកឯណានោះខ្ញុំអត់បានតាន់គាត់ទេនឹងកន្លងទៅកិច្ចការងាររបស់ខាងក្រោយនឹងគេ Donc,
Alors, vous avez dit donc qu'il y avait Tassari, Taniek. Ces personnes-là, qu'est-ce qui leur est arrivé? Elles ont bougé, elles ont disparu. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé? Voilà, Monsieur le Président, j'ai un document à remettre aux témoins. Il s'agit du document D43/4 en lettres romaines, annexe 78. Voilà, donc ce document peut être remis aux témoins. Voilà, il s'agit donc des confessions de Pokpin, alias Siv, un membre du secteur 37 de la zone ouest. Les ERN en Khmer sont 00-17-47-75-81, ERN en anglais 00-78-22-72-78. ERN en Khmer 00-17-47-75-81. ERN en anglais 00-78-22-72-78. Il y a également un autre ERN 00-22-46-40. Je n'ai pas les ERN en français. Est-ce que vous connaissez M. Pokpin, alias Siv? Bien, merci. Je précise simplement que ces confessions datent du 26 août 1977 et que nous avons un certain nombre d'annotations sur la première page sur lesquelles on reviendra éventuellement plus tard. Notations qui font état notamment de l'implication de d'autres personnes, savoir Kum et Tanor. Est-ce que monsieur le témoin, vous avez entendu parler de Kum et de Tanor? Bah, quoi? Kum et Kum et Kum et Tanor. Cut men mock me come.
Alors, il semblerait qu'à la suite des aveux de Pok Pin, qui ont été transmis à la zone 401, c'est-à-dire à la zone ouest, Kum a été envoyé à S21, et quant à Tanor, je ne sais pas s'il est également parti. Est-ce que vous savez s'il a également disparu? បាទសូមបញ្ជាក់ថាខំនេះគាត់នៅតំបន់មុនគាត់នៅតំបន់36កំពង់ស្ពឺហ្នឹងគាត់ប្រធានយោធាតំបន់ហ្នឹងហើយខាងតណោហ្នឹងគាត់ធ្លាប់ចាញ់ចូលព្រៃជាមួយខ្ញុំឆ្នាំ1967ក៏ប៉ុន្តែពេលដែលខ្ញុំធ្វើតបគាត់ក៏នៅខាង Donc vous ne savez pas s'il est vivant ou s'il est mort. Long mandang tha tano ni nau ruh ruko slap nu te jang me de. Dang tha slap. Đang bị bắt theo slap. Est-ce que vous connaissez les personnes qui étaient à la tête de la zone ouest? Est-ce que le nom de Chuchet alias Si vous dit quelque chose? Est-ce que vous savez quand est-ce que Chuchet a été arrêté? Alors, nous avons un certain nombre d'indications, puisque nous avons notamment les aveux de Chuchet alias Si, c'est la côte E3/1682. Et nous avons également ERN en Khmer 00013660 à 00013 99 0. Nous savons également que Madame Linieri, je ne sais pas comment on prononce, l'épouse de Chuchet, était à la tête d'un secteur de la zone ouest. Est-ce que vous savez ce qui est advenu de Madame Linieri? Bad. ឃើញគាត់មកដងហើយឃើញគាត់ដល់ឆ្នាំ 70 75ឃើញគាត់មកដងតែមិនច្បាស់ថាពន្ធតាស៊ីផង. Alors je vais précise un certain nombre de choses. Les aveux de Chuchet figurent aux ERN suivants. ERN en anglais, puisque j'ai déjà nommé le Khmer. En anglais, 00 81 89 51 à 00 81 90 84. En français, 00 84 28 35 à 00 84
28-96. Et en ce qui concerne donc l'épouse de Chuchet, nous savons qu'elle a été arrêtée et a priori conduite à Phnom Penh. Et nous avons une lettre signée de PAL en date du 26 mars 1978 qui figure à la cote E3-1098. Et donc il est dit, j'ai l'honneur d'envoyer Madame Li Niri, qui est l'épouse de Monsieur Si, par le truchement de cassette. Donc il y a eu une série d'arrestations en mars 78. Et j'aimerais savoir si vous j'aimerais que vous me disiez si vous savez qui a remplacé Chuchet à la tête de la zone ouest. Đôi chiếc bắt có tấu, đôi chiếc khám miên, miên tử xương mình nãy ảnh. Tử xương con phố lắm, thiên con phố mình nãy ảnh. Ta Sơn était membre du comité du secteur, en plus de ses fonctions de secrétaire de la division 1. C'est exact. Bah, quand on a tout le temps, 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 bah. Qui a remplacé Niek à la suite de son arrestation à la tête du secteur 37? Bon, tam donc là, bạn thứ nhất, khơi ta chơi ta rô ta rô hay ta rán ta cắt hoa ta khóc chim một cắt đâm hoa ta rô tần cái hoa cắt ta rán lá tàu hay lá tàu thì mình nhặt qua đây hay mình tóc tiếp từng là na môi tiếp cái mình click chim một tàu et Tarat alias Rorn, ou je ne sais. Tarat, il venait du, est-ce qu'il venait du secteur 31? Est-ce que précédemment il était sous-secrétaire du secteur 31? Alors revenons au secteur 37. Donc le secteur 37 a une partie qui est sur la terre ferme et puis il y a une partie constituée d'îles sur la partie qui constitue la côte du Cambodge. Est-ce que vous avez donc entendu parler de Srae Ambal? Qu'est-ce qu'il y avait à Srae Ambal? Hai nou Srae Ambal ni mien avay dai? Ban mien na mien tamban Srae Ambal. Srae Ambal lang mien wat Srae Ambal
hay mình ti cái lạnh mình ti thì nhắc nó cái lạnh nâng bị đám bị mụn nó bị cái lạnh cái nâu mụn nó cái lạnh nâng ai Est-ce que Srei Ambol était connu pour ses marais salants? Srei Ambol ni ta ke skoa Srei Ambol nung doy sa nau ti nung mien Srei Ambol ru ko yang mai ba khom at dal tot dal a a kalaing bal ban ke hau Srei Ambol hau tam ta ke yang ta ke hau ke da mok ko Srei Ambol yang dai ko kong Srei Ambol ko kong Srei Ambol Est-ce que vous Est-ce que vous connaissiez le district de Preinup? Preinup. Preinup. Est-ce que le centre de sécurité dont il a déjà été question à plusieurs reprises de Kohkyorn était situé sur le district de Preinup? Et ce centre de sécurité, il était sous la direction de qui? Vous aviez en charge, vous avez dit, la défense du littoral, la défense de la côte. Vous avez dit que vous aviez en charge Kokong, Kosda et également une autre île, et que le reste relevait de la division 3. Vous avez également dit, sauf erreur de ma part, que vous n'aviez pas de contact au niveau de la division, mais qu'il vous arrivait d'être en contact avec des régiments de la division 3 ou de la division 164, je n'ai pas très bien compris. Est-ce que vous pouvez nous confirmer et être un peu plus précis sur votre rôle en tant que, ce qui concerne votre mission de défense de la côte? ហើយកងពលគេគេអត់តែមកជួបយើងទេតែគេប្រាប់តាមរយៈរយៈសេនាធំឬក៏វិរៈណាតូចដែលមកចែក
Est-ce que vous pouvez nous dire quels étaient les moyens dont vous aviez, que vous aviez à votre disposition? Est-ce que vous avez à votre disposition des bateaux? Est-ce que vous aviez de l'artillerie? Est-ce que vous avez des batteries antiaériennes? Est-ce que vous aviez des radars? Est-ce que des ports ont été construits? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment se passer le travail quotidien? Alors, est-ce que vous aviez des bateaux ou est-ce que pour les bateaux, vous dépendiez des forces de la marine? Et qui gérait ចតនឹងកោះខាងខ្ញុំគ្រប់គ្រងអាណាការពារនឹងក៏ប៉ុន្តែគេឲ្យគាត់គេឲ្យជួយមើលថែរក្សាជួយការពារគ្នាប៉ុន្តែក៏ប៉ាល់ក៏បោះគេគ្រប់គ្រងខាងនោះប៉ុន្តែបើមកធ្វើការខាងខ្ញុំខ្ញុំជួយការពារគ្រប់គ្រងបាទ Donc, si par exemple vous voyez des bateaux Thaï, est-ce que vous aviez comme consigne de signaler la présence de tels bateaux sur les eaux territoriales cambodgiennes et à qui deviez-vous signaler cette présence? ແລະກະປາລບາຊັ້ນຈະກະປາລຂອງໄທວີຈູລຈັບຫຼືກໍຍັງເມືອຄືນອີ່ຍັງປາຕາມອັນນະເຕໂອປາບຕາມອັນນະນີວີຂອງປົນນະກີມໍສະຫະການຍັງໂຕປາບກີ້ອ້າຍກີ້ຕະມືໂຕຫຼືກໍວີຈູລຈຣົວຫຼືກໍວີນົາໃດກີ້ນັ້ນຍັງອາດປາບກີ້ຕາມຕາມເຕໂອແລະອາດຍຽຊ Ces informations, elles étaient communiquées
à 5 ou elles étaient également communiquées à la division 3, c'est-à-dire à Mehasmout? Je suis désolé, mais je n'ai pas très bien compris. Il y a peut-être un problème d'interprétation. Est-ce que vous arrivez de faire des rapports à la division 3, d'envoyer des messages à la division 3 pour lui demander un soutien, par exemple, pour attraper des bateaux? ប្រាប់ខ្ញុំប្រាប់តាមអាណែកកប៉ាល់នឹងខ្ញុំបើកបងកប៉ាល់នឹងមួយផ្នែកគេប្រាប់តាមមេគេទៅកងពលលេខ3ហើយហើយខ្ញុំរាយការណ៍ទៅខាងកងពលខ្ញុំផ្សេងទៅខាងទៅសៀងផ្សេងនៅក្រោយផ្សេងដើម្បីឲ្យគាត់ដឹងហើយគាត់ហាក់ការគ្នាយ៉ាងណាខ្ញុំមិនបានដឹង Ces bateaux avec lesquels vous communiquiez, est-ce qu'ils appartenaient à un régiment ou à une unité militaire et quel était le nom de ce régiment ou de cette unité militaire? Alors, un certain nombre de documents paraissent utiles, notamment le document D108-28.48, ERN en anglais, 00-23-36-47-48, français, 00-62-32-17-18, et en Khmer, 5x0-860. Alors, c'est un télégramme en date du 13 août 1976, et il fait état de rencontre entre Tassin, Tahorn, et également donc, le camarade Mout. Est-ce que vous étiez au courant de l'existence de telles rencontres entre Tassin et Mehasmout? Alors, un autre document qui vous a déjà été présenté par l'accusation, il s'agit du document E3-10-37. C'est un télégramme qui porte les ERN suivants. ERN en Khmer 00-16-17-90, ERN en anglais 00-23-36-45, français 00-71-02-20. Alors, c'est un télégramme qui fait état de, d'incidents avec des bateaux ennemis à proximité de Kokong et de la saisie de navires thaïlandais. Et ce télégramme est signé du
de la façon suivante, bureau 09, Cocon. Et il est envoyé directement à Frère 89, au bureau et aux archives. Le bureau 09 nous avait dit déjà que c'est un bureau qui ne dépendait pas de la division 1. Alors, est-ce que vous savez si ce bureau dépendait de la division 3? Ou est-ce que si ça, c'est un bureau de la marine? Est-ce qu'il y avait un bureau de la marine à Cocon? Est-ce qu'il y avait un radar à Cocon ou est-ce que vous receviez des informations provenant de radars qui étaient installés sur le littoral? Alors, j'ai un autre document à vous présenter, donc je souhaiterais que ce document soit remis aux témoins. Il s'agit du document E3/1007. C'est un télégramme en date du 12 avril 78, ERN en Khmer 00-00-111, ERN en anglais 00-32-48-34 et français 00-81-12-78. Alors, ce télégramme est signé par Rat. Est-ce que Rat correspond au secrétaire du secteur 37? Alors, il semble qu'il y ait des petits problèmes concernant la traduction en français, puisque le télégramme est envoyé le 12 avril, en français on dit le 30 avril, j'ai porté votre lettre et vos consignes à l'ambassadeur de Thaïlande, et en la version anglaise, qui me paraît la plus juste, on fait en fait référence au 10 avril. Donc il semblerait que le 10 avril, Rat a porter des lettres et des consignes à l'ambassadeur de Thaïlande. Donc je lis ceci. Le 10 avril, j'ai porté votre lettre et vos consignes à l'ambassadeur de Thaïlande qui a déclaré au cours de la rencontre qu'il était très content de les transmettre à son ministère des Affaires étrangères. Cette fois-ci, les Thaïlandais ont encore soulevé la même histoire en disant que notre armée, en collaboration avec les communistes Thaï, a combattu leur pays. Ils ont dit qu'ils ont rendu compte à leur ministère des Affaires étrangères et qu'il n'y avait pas ce combat. Enfin, leur ministère des Affaires étrangères a cru à cette information
En revanche, l'armée a confirmé qu'il y avait bien une coopération entre l'armée khmer et les communistes thaïs. Et un peu plus loin, c'est la dernière phrase, le dernier paragraphe. Donc il est question de conditions pour coopérer entre les Thaïs et les Khmer. Et ceci, les Thaïlandais ont répondu que, d'après leurs renseignements dans le ministère des Affaires étrangères, In Tham est parti en France avec toute sa famille. Ils ont ajouté qu'ils attendaient nos propositions pour résoudre au plus vite le conflit frontalier entre le Cambodge et la Thaïlande. Ils ont insisté pour que le Cambodge leur remette la population et leurs biens qui se trouvent actuellement sur notre territoire. Je précise que ce télégramme a été adressé à l'oncle Noon, frère Van, frère Vorn, Bureau et aux archives. Alors, est-ce que ceci, monsieur, évoque quelques souvenirs pour vous? Est-ce que vous avez été au courant de ces conflits frontaliers et de ces négociations entre le Cambodge et la Thaïlande? Bah, khiem khreng tha chmua rat ni mon men chi rat tamban 37 le ta mue ko kot at dal teak tong ke rieng kech ka ngie borteh hay yang mich phom kai cha rat no knong kasuong ka borteh dang khiem mon ban dang da pon da kalaing kot mon mien ka ri ka anchang te khiem te nam mue kot mon cheh Còn mình miễn ca tầm nặng tầm nông ấy cho mùi nông kháng ca tù phẩm. Ta mới nhận đăng miền phần đăng ấy. Để chứ mục, nhận đăng là đăng chứ mục. Và rì ca chứ nhận đăng tầm mên là rợt lì kha bọn xa một phần lê. Rợt vương na tiết tầm đăng. Và est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il se passait quand il y avait des bateaux vietnamiens ou des pêcheurs vietnamiens qui étaient arrêtés ou lorsqu'il y avait des Thaïlandais qui étaient arrêtés? Monsieur le Président, Monsieur le Président, ពេលដែលចាប់បានគឺយើងរាយការណ៍មកខាងកងពលមកទទួលយកនៅកំពង់សោមក៏ប៉ុន្តែកន្លែងគាត់មិនមែននៅកំពង់សោមទេក៏ប៉ុន្តែផ្លូវចេញចូលកន្លែងហ្នឹងវាមានកប៉ាល់របស់កងពលហ្នឹងអាចជិះបានឬក៏តាមនាំយកទាំងទូកទាំងមនុស្សទៅបាន ແລະວ່າຕະປົກພົ່ວຂ້າງກອງຂະຫນົງເວລໍາບາກອັນຈັ່ງໃຫ້ເພິລະຈັບບ້ານຄືຍໍໂຕຂ້າງຫນົງອ້າຍໄດ້ໄປອ້ອຍຄືດອສໄສຄືຂ້າງການງານຕູດຂ້າງຫນົງຫຼືວ່າການງານຢ່າງໝິດຂ້ອຍມັນຕ້ອງດັງຄືການງານຂອງຄະນະຕຽກຕອງຄືຂ້າງຫນົງບາອໍຄຸນສະໄສອໍຄຸນລູກຈັກກ້ອມແມ່ນເລື່ອງນີ້ດອປີສໍາລັບໃນພາສາໄທຕ້ອງໃຫ້ອ້ອຍຈະແມ່ນປະກາດສໍາລັບໃນພາສາໄທຕ້ອງຕັດໄ
and that's just for the record, for posterity, so to speak. At my final application, I've just been informed by Nguyen Chia, our client, that he's suffering from a backache, a headache, and a general lack of concentration. And for those three reasons, he would like to follow the proceedings today, this afternoon, from the holding cell. And that's our final application for this morning. Thank you. អង្គជំរះបានស្ដាប់សំណើសុំរបស់លោកនួនជារបានធ្វើឡើងតាមរយៈមេធាវីការពារក្រីបកតសូមទៅតាមដានកិច្ចដំណើរការសំណើការពីចម្ងាយសម្រាប់រយៈពេលធ្វើសំណើការពេញមួយរសៀលនេះដោយមូលហេតុបញ្ហាសុខភាពមិនអាចអង្គុយយូរក្នុងបន្ទប់សំណើការដើម្បីតាមដានកិច្ចដំណើរការសំណើការបានអង្គជំរះយល់ព្រមនឹងអនុញ្ញាតឲ្យលោកនួនជាទៅបន្តតាមដានកិច្ចដំណើរការសំណើការពីចម្ងាយពីបន្ទប់ឃុំខ្លួនមួយស្ថិតនៅក្រោមសាលសំណើការនេះ តាមរយៈបកកសទួសសម្រាប់រយៈពេលធ្វើសំណើការពេញមួយរសៀលថ្ងៃនេះដោយលោកនួនជាលះបង់សិទ្ធិមានវត្តមានដោយផ្ទាល់ក្នុងកិច្ចដំណើរការសំណើការនៅក្នុងបន្ទប់សំណើការនេះអង្គជំរះតម្រូវឲ្យក្រុមមេធាវីការពារក្រីលោកនួនជាដល់មកឲ្យអង្គជំរះភ្លាមនៅពាក្យសុំលះបង់សិទ្ធិចូលរួមសំណើការដោយផ្ទាល់ក្នុងបន្ទប់សំណើការដោយមានចុះហត្ថលេខារឺផ្តិតឋានរៀបដៃជាក់ច្បាស់របស់លោកនួនជាប្រកបឲ្យផ្នែកសោះទួសជាប់ប្រព័ន្ធសោះទួសសម្